Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Merge. Vidéo que j'ai déjà faite, que je refais, pour donner un peu plus d'explications pour ceux qui ont du mal à le réaliser. Donc pour ce Merge, il va falloir être deux. Il va falloir se rendre en session sur invitation. Ça sera l'ami qui aide qu'il va falloir qu'il se bug. L'ami qui aide, il va falloir qu'il ait la suite dans le casino. Si vous n'avez pas de suite, vous pouvez très bien le faire avec le parking du casino. Pour celui qui va faire le merge, il va falloir qu'il ait la reine plus le mécano Bénise. Donc là, le poteau qui aide, il va rentrer dans le casino, moi je vais faire pavé tactile, sécuroserve et je vais inviter le poteau qui aide dans le sécuroserve. Donc là, on va basculer sur le poteau qui aide. Le poteau qui aide, il rentre dans le casino, une fois dans le casino, il va accepter l'invitation dans le sécuroserve. Il va patienter 3-4 secondes, puis il va se coller à la porte de l'ascenseur. Et il va placer le curseur sur suite avec terrasse. Donc, le poteau, il est placé sur l'ascenseur avec le curseur suite avec terrasse. Moi qui suis dehors, je vais faire pavé tactile, sécuroserve, défi de gros bonnet. Je prends une activité au hasard et je me place sur démarrer. Là, il va falloir que moi et le poteau qui aide, on accepte en même temps que moi je clique sur démarrer l'activité et que le poteau clique aller dans la suite avec terrasse. En même temps tous les deux. Le poteau ça le fait rentrer dans l'ascenseur et ça va le faire apparaître à l'extérieur du casino. Une fois qu'il apparaît à l'extérieur du casino, il va falloir que le poteau qui aide me fasse une invitation via un jeu collectif. Donc il me fait une invitation via le jeu collectif. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire touche start, en ligne, éditeur, et je vais aller sur l'éditeur. Une fois sur l'éditeur, je vais accepter l'invitation pour revenir dans la session. Une fois que j'ai accepté l'invitation pour revenir dans la session, pas avant les poteaux, une fois que j'ai accepté l'invitation pour revenir dans la session, le poteau qui aide va rentrer dans le casino. Et là, ça devrait le faire passer à travers le sol. Les poteaux, si à la place de vous faire passer à travers le sol, vous vous retrouvez sur un écran noir. Vous allez dire au poteau, quand il revient dans la session, qu'il lance un travail de titan. Vous allez le rejoindre par la partie vocale sur le travail de titan. Une fois que vous serez sur le premier message, vous allez lui dire de quitter le travail de titan. Une fois qu'il a quitté le travail de titan, vous allez accepter les messages et là, ça va vous faire passer à travers le sol. Donc le poteau qui aide est bien passé à travers le sol. Moi je suis revenu dans la session, j'ai demandé un véhicule et je récupère le poteau et de là on va à mon bunker. On va faire le reste des manips au bunker. Donc les poteaux, si vous faites l'ancienne méthode pour vous bugger dans le casino et que vous vous retrouvez sur l'écran noir, ça n'est pas la peine que le poteau vous lance un travail de titan. Ça ne marchera pas, ça marche que si le poteau va sur l'éditeur, d'accord ? Donc une fois devant le bunker, pavé tactile, on se place sur course improvisée et en même temps on va cliquer sur course improvisée et accélérer pour reculer. En même temps et on ne relâche pas l'accélérateur. On reste accéléré jusqu'à quand le véhicule se débloque. Et une fois que le véhicule se débloque, de là on va pouvoir se rendre à l'arène. Le pavé tactile on va le garder ouvert, il va se fermer tout seul. Le poteau qui aide, lui, il voit la grande map complètement buggée. Une fois devant l'arène, je descends du véhicule et j'attends que le poteau passe côté conducteur. Une fois qu'il est passé conducteur, je vais pouvoir rentrer dans l'arène. Je vais rentrer dans l'arène, je vais ressortir de l'arène et je vais re-rentrer dans l'arène. Ça va permettre de débloquer le pavé tactile. Et là, je vais pouvoir inviter mon poteau dans l'arène.
Là, j'ai le pavé tactile qui est débloqué, j'invite le poteau dans l'arène. Le poteau qui est dans le véhicule, surtout il ne descend pas du véhicule. S'il descend du véhicule, le poteau il va se débugger. Donc le poteau il accepte l'invitation dans l'arène. Et à partir de là, je vais me rendre au véhicule que je veux modder. Donc je vais modder ce véhicule-là. Il ne me reste plus qu'à choisir la couleur que je vais mettre dessus. Donc je vais mettre la couleur bleue. Je vais mettre cette couleur-là sur le véhicule. Donc de là, je vais monter dans le véhicule que je veux modder. Une fois à l'intérieur, le poteau, il va monter côté passager. Et une fois qu'il sera côté passager, je vais faire triangle pour descendre du véhicule. Ça va le faire passer côté conducteur. Et là, moi, je vais me rendre dans le véhicule sur lequel je vais récupérer le modage. Une fois dans le véhicule, je vais faire flèche de droite pour accéder à l'atelier. Dès que je vais faire flèche de droite, le poteau il va se retrouver sur un écran noir. Et une fois que je serai dans l'atelier, ça va lui lever l'écran noir. Il va pouvoir venir avec le véhicule pour me pousser et me sortir de l'atelier. Donc, pour que le poteau puisse me pousser le plus facilement, j'appuie sur la touche Start. Ou alors on peut appuyer aussi sur la touche PS. Donc le poteau me sort de l'atelier, une fois que c'est fait, il va placer le véhicule que je veux modder dans l'atelier. Il descend du véhicule et là il va lancer un passe-temps. Moi là je vais faire rond et je vais apporter une modification au véhicule. Une fois qu'on a apporté la modification au véhicule, on va descendre du véhicule et on va se rendre dans le véhicule qu'on veut modder. Donc là j'ai reçu l'invitation du passe-temps du poteau. Donc je monte dans le véhicule. Une fois dans le véhicule, le poteau, là, il va me lancer une invitation via un jeu collectif. Il va me faire un jeu collectif par mesure de sécurité. Une fois que j'ai reçu le jeu collectif, je fais touche PS, je vais dans la partie vocale et je place le curseur prêt à rejoindre le poteau. Une fois que c'est fait, je fais double PS, je reviens dans le jeu. Donc là, il va falloir que je fasse flèche de gauche pour envoyer le véhicule au dépôt. Dès que je commence à voir l'avant du véhicule, rapidement je fais double PS, je vais dans la partie vocale et je rejoins le poteau et j'accepte tous les messages. Les poteaux, si vous faites cette méthode, au bout de 3-4 fois, vous voyez que ça ne modde pas le véhicule. Ça veut dire que votre connexion est un peu basse. Dans ces cas-là, quand vous allez rejoindre le poteau, vous allez accepter le premier message et vous allez rester 3 secondes sur le deuxième message, puis vous allez l'accepter. Donc, je fais flèche de gauche, je vois l'avant du véhicule, rapidement double PS, je rejoins le poteau par la vocale et j'accepte tous les messages. J'ai l'écran qui scintille 2 secondes, je me retrouve sur un écran noir et ça me fait apparaître à l'extérieur. De là, je re-rentre dans l'arène. Et là, je devrais trouver mon véhicule modé. Le véhicule a bien récupéré le modage. Je vais monter à l'intérieur du véhicule. Je vais faire flèche de droite pour accéder à l'atelier et je vais lui apporter une petite modification pour pouvoir le sauvegarder. Une fois qu'on a apporté la modification, on renvoie le véhicule au dépôt et le véhicule sera sauvegardé. Voilà les potos, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!